Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode. L'amitié. La passion. Le reportage. Et oui, ça se termine. Et là, je suis devant un Renault terminé. Et il est quand même bien peint, je trouve. Donc aujourd'hui, j'ai Sébastien avec moi. Bonjour. Bonjour Sébastien, qui va me parler un petit peu de tout ce qui est peinture, ajout, peinture, peut-être ajout, je sais pas si je vais mettre une rampe de phare, est-ce que c'est toi qui peux le faire? Oui, on peut faire des options de peinture, on a différentes options qui existent aujourd'hui. Alors notre ami Sébastien, il n'est pas vraiment bavard et il est plutôt réservé, mais il sait faire de jolies choses. Regardez par vous-même. Derrière la réserve de Sébastien se cachent des doigts en or. Le TI le centaure. En disant le centaure, je sais que j'ai frappé dans l'oreille de nos anciens. Le centaure pour les plus jeunes d'entre nous, une édition limitée du TR350 moteur V8 pour 356 chevaux. Sorti dans les années 70, 40 ans plus tard, le clin d'œil, le TI le centaure. J'ai beaucoup vu le Magnum Route 66 sur les routes. 10 ans après sa sortie en 2009, Renault Truck lance l'édition spéciale le TI Route 66. J'ai même entendu chuchoter qu'il était toujours disponible à la vente. Avis aux amateurs. On a sur le T, on a 3 options de peinture principales. Pare-choc, peinture base du pare-choc, ouais. Point rond en marchepan. Donc okay. Ça c'est l'offre de base. Donc ça c'est des options. Ça c'est une option de base. D'accord, donc si j'achète un Renault tout simple, le pare-choc là sera noir. Le pare-choc qui sera noir, les emmarchepans seront noirs. D'accord. Après on peut rajouter en option la peinture des pare-chocs. D'accord. Ça c'est une option dans les premières options. Après on a une deuxième option, on peut avoir les pare-chocs plus la tôle échappement. Okay. Supplémentaire. Okay. Et on peut avoir encore une troisième option où on a la partie porte de coffre. Okay. Okay. Et après sur alors ça c'est sur le RM et après sur le RX en fait il n'y a qu'une option, c'est tout. D'accord. Il y a deux modèles en fait. Et là on est sur un RX. Ouais. Le RX en fait quand vous prenez les pare-chocs intégrales, vous avez tout. Le RM, le 11MA, ouais. Là vous avez différents niveaux. Différents niveaux. Voilà. Et si moi je viens commander un Renault. Et je dis au bon de commande, je veux que ça soit marqué Florian en grand ici. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Tout est possible alors? Alors tout n'est pas possible, mais quand même beaucoup de choses sont possibles. Et si on parlait du Rebel Pin-Up? Un camion fièrement créé pour les femmes par Renault Trucks. S'inspirant des tatouages américains en période d'après-guerre, un tracteur très haut de gamme, je vous laisse admirer sa beauté. Après, on a un commercial spécial pour le centre d'adaptation. Ouais. Donc, quand vous allez commander votre camion, en fait, il va appeler notre commercial à nous. D'accord. Qui va dire, Florian, il souhaite marquer sur son T Florian. Okay. Et après, le commercial vient nous voir. Et lui nous demande qu'est-ce qu'on peut faire. Si c'est possible. Si c'est possible, alors des fois on fait des tests de couleurs pour des couleurs un peu spécifiques, tout ouais, ça, qui va envoyer à Florian ouais. La couleur. Si la couleur lui correspond, il pourra l'intégrer à sa commande. D'accord. Et globalement, on a rarement refusé le pain de quelque Donc, chose. Donc presque tout est possible. Presque tout est possible. Et je vois que là, il y a plein de belles pièces. À quoi elles sont destinées? Alors, ces pièces-là, elles sont destinées à la série spéciale 1894. Le dernier né, le TI édition 1894. Mais pourquoi 1894? Pour célébrer 125 ans de savoir-faire, 125 ans d'innovation. Je me suis beaucoup demandé pourquoi cette couleur. Puis un jour, un ancien m'a dit, Florian,
c'est la couleur du logo Berlier. La peinture bleu nuit, les parties jaune or, un bel hommage à ses racines. Donc là, c'est une partie des pièces qui ont été peintes ici pour monter sur le véhicule. Vous avez le pi en couleur or, ouais. La barre de toit en couleur or. Donc pour expliquer, le pi. Le pi, c'est cette partie-là. C'est la partie qui est là. Voilà. Donc on a trois couleurs de pi aujourd'hui. On a le 1894 en or. On a une version en noir. Ça veut dire que vous pouvez acheter votre camion bleu et avoir un pi noir avec des coques de retro noir. D'accord. Ça c'est à la commande aussi. Ou alors un pi orange avec des coques de rétro couleur cabine. Couleur cabine, d'accord, très bien. Et là, la rampe de phare, elle ira aussi sur... Sur un 1894. Sur un 1894. Donc je peux pas l'emmener pour moi. Non. C'est pas possible, ça. Non, c'est pas possible. Vous êtes sûr, hein? Je suis sûr. Alors après, on peut en faire une spécialement pour vous. Tout est possible ici, j'ai l'impression. Beaucoup de choses sont possibles. Donc vous avez des cabines de peinture, on j'imagine. On a trois cabines de peinture, oui, voilà, qui travaillent jour et nuit. Jour et nuit ? Jour et nuit. C'est automatisé ? Non, c'est tout de l'application manuelle. Donc il y a des gens jour et nuit ici ? Voilà. D'accord. Parce que la peinture, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps et la nuit, on fait d'autres activités, protection de châssis, choses comme ça. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu une demande client en peinture assez folle ou assez... On va dire que ces temps, on a des choses assez intéressantes. On nous demande des choses intéressantes. On part beaucoup dans des couleurs mat. Du noir mat, du jaune mat. C'est la mode. C'est bien la tendance en ce moment, tout ce qui est mat. D'accord. Satiné ou mat. Ok. Mais après on essaye de faire tout ce qu'on nous demande. À la demande. À la demande. Ok. Donc toi, Sébastien, tu es la personne qui fait plaisir au chauffeur et au patron. Je pense. Hein ? Oui. On essaye de faire des beaux camions. Je pense aussi. On essaye. Si toi, tu devais décorer un camion pour toi ou si tu devais prendre une série spéciale pour toi, lequel prendrais-tu ? Le Renault Sport. Le Renault Sport ? On a aimé faire ce véhicule et c'est celui que, pour le moment, je préfère. D'accord. C'est assez particulier parce que le Renault Sport, il a pas grand-chose, il a juste une belle couleur. Des rappels noirs, mais tout le monde l'adore ce camion. Alors nous, on a fait toute la peinture sur ce véhicule. Ouais. Les gens l'ont fait avec passion et ça reste quand même un véhicule qui est quand même très exceptionnel. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce véhicule. Quand Renault Trucks s'associe à Renault Sport Racing, naît le TI Renault Sport Racing. Parlez-en à Sébastien. De suite, il a les yeux qui brillent. La peinture jaune Sirius, la sellerie Recaro, le volant cuir noir surpiqué jaune, le tableau de bord carbone. Dans le TI Renault Sport, le sport est dominant. Là, je vais t'emmener voir un camion qui pourrait beaucoup te plaire et beaucoup plaire à ta communauté. Allons-y, super. Allons-y. Donc quel est ce camion ? Donc, ce camion, c'est notre véhicule de démonstration. D'accord. Qui nous sert à faire voir à nos clients ce qu'on est capable de faire. Même la clé customisée. Alors ça, c'est la clé d'origine du camion. D'accord. Et t'avais là, pas. On est dans les premiers véhicules produits. De T. D'accord. C'est un proto qui a servi à faire tous les essais pour la gamme T. Donc ce camion-là, il ne peut pas rouler sur route ouverte. Il ne peut pas rouler sur route ouverte. Il appartient à l'usine et il nous sert à faire de la démonstration, des essais. De nouvelles et choses. Ces peintures. Je peux voir l'intérieur ? Je t'en prie. Je monte de l'autre côté. Ouais. J'espère qu'il n'est pas démonté. Non, c'est bon. Alors là, je suis devant un tracteur qui jamais roulera sur route ouverte. Jamais. Et pourtant, il est tellement joli. Qui lui donnerait envie de rouler. Hein ? T'es sûr que tu peux pas faire en sorte que je reparte avec ce soir ? Non, c'est pas possible. Sinon, il faut qu'on remonte en Normandie, donc on cherche un moyen de locomotion. Alors, on a d'autres camions à disposition, mais pas celui-là. Et il faudra faire des chèques pour ces camions. Aussi. Donc ce camion, il t'a servi à améliorer les
les séries suivantes, on va voilà, dire. En fait, on s'en est servi pour faire tout ce qui est essai de peinture sur toutes les parties intérieures du véhicule. Ok, bon. Donc là, là vous voyez, on retrouve la partie tableau de bord qu'on a peint sur le 1894. Donc ça, ça nous a permis de faire des essais de peinture, des choses comme ça. Le rouge est vraiment beau. Il est super beau, le rouge. Et ça, c'est notre véhicule à nous de démonstration. D'accord. Eh bien, c'est un beau véhicule. On a la partie tableau de bord. Ah oui, même là, peint. Ça a été peint. Même ça. Waouh. Génial. Mais on a aussi au niveau des lumières. C'est-à-dire qu'on n'a pas des lumières blanches, c'est tout l'intérieur du véhicule est rouge. Vous vous êtes bien amusé. Et on a l'échelle. L'échelle pour monter sur la. Tu te rappelles de cette échelle, Justin ? Eh oui. Hein ? Ok. Bon, Sébastien, ça va être l'heure pour est-ce nous. Est-ce qu'on peut le débat ? Non. Non. Donc, Sébastien, ça y est, j'ai adopté ce camion. Donc, ce soir, je vais venir te le piquer, mais tu le sauras pas. Je crois que tu serais fâché. Hein. Un peu, quand même. Ah ouais. Je vois que tu es passionné après, par ce camion. Notre métier, c'est de faire des beaux camions et on pourra un jour peut-être t'en faire un. Mais pourquoi pas, bien sûr. Donc, c'est ici qu'on va conclure cette vidéo. Je te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi d'être venu nous voir. C'est vraiment super gentil. J'ai passé vraiment un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Justin aussi qui va se trouver en description. Je vais mettre un petit pouce comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bon, bonne route à Florian. Salut Justin. Ciao, ciao. Je tenais à remercier d'abord Justin pour la surprise, Franck et Fabien pour l'accueil et la bonne humeur, et surtout le rêve que vous avez fait vivre. Bravo à vous trois. N'oubliez pas la suite de la visite Renault Truck Factory disponible sur la chaîne de Justin Van Collen.